Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui. Santé, bien-être d'une personne. On va voir tout ce que je peux partager aujourd'hui avec vous. Santé, bien-être spirituel. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Je tiens à vous remercier pour toute votre présence sur la chaîne. Peu importe quelle soit présence, participation. Merci, 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 merci. On débute avec un message carte, le précieux conseil, message d'encouragement. Aujourd'hui, dans santé, bien-être spirituel, on va voir tout ce que je peux partager. On va les zoomer donc au niveau de la santé, du bien-être, du spirituel d'une personne. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Et on y va. Donc, message carte pour débuter. Elle a sauté, on va la découvrir après. Et après, je partage mon écrit. Comme toujours, c'est du général, vous faites bien preuve de discernement, tous les messages ne pourront pas vous parler et c'est normal. Ici, alors, on vous recommande aujourd'hui de passer du temps seul. De passer du temps seul dans la nature, ça va vraiment pour méditer sur vos désirs et vos intentions. N'hésitez pas aujourd'hui à demander aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Je partage. Alors. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Allez, je commence. Pour une personne, donc c'est du général, hein, faites même preuve de discernement. Je peux avoir aujourd'hui un retour. Un retour. Alors là, le message. Ça peut être soit à la personne, à vous, à la personne à laquelle je m'adresse, mais aussi ça peut être un message lié à un ami, lié à un proche, lié à quelqu'un aussi peut-être, voilà, soit de votre famille, de vos amis, ça peut être une personne que vous connaissez, hein, voilà, inconnu, inconnu, d'accord? Alors, ici, je peux avoir. Ça peut être aussi un message que je partage avec vous. Et en fait, quand vous allez l'écouter, vous allez vous dire, ah bah oui, ça pourrait être un message pour mon grand-père. Ou ma voisine. Ou, voyez? Voilà. C'est pas. Des fois, je partage aussi des messages, mais c'est pas forcément. Il faut se dire que ça peut être aussi pour tout le monde. Mais en sachant que c'est du général. Et comme je le dis toujours, quand ce sont des messages destinés, donc à votre situation, donc ça doit quand même. Coller, 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 coller au plus, au maximum. D'accord? Donc ici, je partage. On me parle de. Je peux avoir aujourd'hui un retour. Un retour. Un retour de votre mémoire. Alors, le retour de votre mémoire, ça peut être après une opération. D'accord? Donc là, je peux avoir une personne, soit qui s'est fait opérer. Ça peut être, alors, vous avez peut-être eu une perte de votre mémoire. Ça peut être après une opération, un choc, un accident, etc., etc. Parce que là, c'est du général, donc voilà. Je vois que votre mémoire. Il y a un miracle de guérison sur votre situation. Je vois que votre mémoire. Je vois que vous avez peut-être perdu une partie de votre mémoire. Pas tout, hein, pas la totalité de votre mémoire, une partie. Alors, comme je dis, vous, ou alors voilà, une personne qui vous est chère, ou alors une personne inconnue. Donc, je peux avoir pour moi, une partie, hein, une partie de mémoire, une partie de mémoire, mais pas tout, une partie de mémoire qui est partie.
Je vois, il y a une partie de votre mémoire que vous avez perdue. Soit tout allait bien et juste après, en fait, une opération, il y a une partie de cette mémoire. Soit suite, ça peut être aussi un choc que vous avez subi, un accident, voilà. Tout type quel qu'il soit, choc tout type quel qu'il soit, opération tout type quel qu'il soit, d'accord? Mais juste après, en fait, donc voilà, votre mémoire allait très très bien, mais après tout ça, en fait, là, il y a une partie de votre mémoire que vous avez perdue, et j'ai un miracle de guérison sur votre santé, j'ai une très très belle protection sur votre santé, et j'ai un retour de toute votre mémoire en totalité. Vous allez récupérer toute votre mémoire en totalité. Vous êtes extrêmement protégé. Et je vois aussi. Peut-être de la rééducation qui est déjà en cours ou alors qui est à venir dans la situation. Ou alors de la rééducation ancienne. Parce que là, ça peut être une situation ancienne aussi. D'accord? On n'a toujours pas récupéré après un choc, un accident. Une opération. Peut-être qu'on n'a toujours pas récupéré sa mémoire en totalité. Alors, c'est soit une rééducation qui va débuter ou alors qu'elle a déjà débuté. En tout cas, ça va s'accélérer. Et si c'est une rééducation ancienne, parce que, en fait, peut-être. Ou alors, on peut être toujours en rééducation, mais la rééducation, elle est. Il y a une accélération en tout cas sur la rééducation, sur une rééducation. Alors, soit une reprise, soit on continue, soit donc de continuer la rééducation. Il va y avoir une très très belle accélération. Et en plus de ça, vous allez récupérer toute la mémoire. Vous, ou comme je le dis, ça peut être un proche à vous, une personne que vous connaissez. Voilà. Donc là, il y a une reprise en totalité de votre mémoire, un miracle de guérison sur votre situation. Et ça bouge, ça va énormément bouger, ou alors ça va repartir sur une rééducation. Si vous avez arrêté une rééducation, que la rééducation est déjà arrêtée depuis un certain moment, il peut y avoir une reprise de la rééducation suite en fait à cette reprise totale de toute votre mémoire. Voilà. Donc, il y a un gros, gros, gros miracle. D'accord? Ou alors, c'est une rééducation qui va continuer, qui va s'accélérer. D'accord? Et je vois une très, très belle réussite hein, sur la rééducation. D'accord? Et une très belle réussite aussi sur la reprise de mémoire. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. C'est un réel bonheur, plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous les vidéos, j'adore vous lire. À mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et que vous désirez le faire, c'est gratuit. Je vous souhaite un merveilleux mardi et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc., etc. À bientôt!